Bon voilà, nous sommes réunis sur le site d'Alstom et Trail hein, après la réunion soi-disant des renégociations des NAO lors desquelles où ils, encore du foutage de gueule nous ont donné 150 euros brut sur une prime d'intéressement dont la prime d'intéressement on ne connaît pas le montant du tout. Le ras-le-bol total des ouvriers est rendu au maximum. Nous sommes rendus au 10e, au 9e ou 10e jour de grève. Donc là, c'est fini, les gars, on n'arrive plus à les tenir. Faut savoir que le syndicat des cadres a encore appelé une amertume au niveau des tracts. Donc on est encore rendu aujourd'hui à 150 personnes, voire 200. En sachant que sur la flexibilité, les RTT et puis les congés, ça a été très difficile de rassembler tout le monde. À l'heure d'aujourd'hui, la mobilisation est terrible. Monsieur Papin, directeur de l'usine, a essayé de nous réunir sur une assemblée au niveau des organisations syndicales, en sachant que la CFE-CGC était invitée. Donc au niveau global, on a tous refusé, même les salariés. Suite au track qu'ils ont annoncé, pour nous, c'était impossible de les voir sur la négo. Donc la colère est encore là, est encore présente, et encore plus qu'il y a encore le premier jour. Donc vous pouvez le voir, hein, ça crame de partout. Là-bas, ça a encore cramé. La direction ne sait plus quoi faire. Tous les gars ici réunis, ils sont tendus comme des strings. Je vais laisser la parole à Fabrice, qui est au niveau du collectif, on lâche rien, et le meneur, comme moi d'ailleurs. Je vous le présente, monsieur Fabrice Cottrel. Bon, c'est écrit sur le maillot, de toute façon, il y a le site Facebook, il y en a beaucoup qui le connaissent maintenant, ça commence à un peu faire du bruit, on est parti d'une dizaine, maintenant 20, 30, et ce matin, on était à 60. Donc, je vais pas dire beaucoup plus de ce qu'a dit Jimmy. Ce qui est sûr, c'est que oui, je crois que la direction, ils ont vraiment pas compris. On peut pas donner aux salariés une prime de 150 euros brut sur l'intéressement dont on connaît pas le montant en plus. Alors ça nous ferait une belle jambe si l'intéressement il était moins élevé que celui qu'on a eu l'an dernier. Je pense que ce que demandent les salariés, c'est du pouvoir d'achat tous les mois. C'est pas une prime de 150 euros brut, c'est pas 25 euros brut, c'est 55 euros net d'augmentation générale pour tous les salariés et que ce soit figé sur 55 euros. Là ils ont remarqué, je repense, on avait demandé l'ouverture des NAO, c'était la première chose qu'on demandait. Ce matin, il y a eu ouverture des NAO. C'est un effort, c'est pas mal. Mais je crois qu'ils ont oublié tout ce qu'on avait mis dans le reste. Donc maintenant, je leur demande à la direction d'écouter le mécontentement des salariés. Il va falloir qu'ils s'appliquent sérieusement. Et je vois que ce qui s'est passé, on a eu la réunion, comme disait Jimmy, avec la direction. Ça s'est plutôt mal passé parce qu'on a quitté la salle de réunion. On ne peut pas accepter que la CGC se joignent à une réunion et qui sont pas avec nous depuis le début sur le mouvement. Et en plus, ils se glorifient sur des tracts en expliquant que c'est grâce à eux qu'il y a une réouverture des négociations ou une réunion le 12 mai. Ça, c'est pas possible. Donc maintenant, moi, franchement, j'appelle la direction à écouter le mécontentement des salariés. Et on peut pas continuer comme ça. Je pense qu'il y a un gros fossé qui est en train de se creuser entre la direction du site des traits et les salariés qui sont ici en bas à la base. Donc j'espère qu'ils vont comprendre et qu'ils vont voir qu'il y a vraiment un mécontentement parce qu'on peut plus continuer comme ça. Bon, et le collectif, si on lâche rien, et c'est sur Facebook. Il faut savoir que le mécontentement dure depuis 10 jours et il faut savoir que depuis 10 jours il monte en flèche. Donc faut bien dire à la direction et Alstom France en général, c'est que tous les gens qui sont autour de nous sont motivés, plus que motivés depuis la première journée. C'est-à-dire, c'est pas on lâche rien. C'est que vraiment, il y a un moment donné, comme ils nous prennent un peu pour des jambons, maintenant c'est fini, on va craquer.
Je pensais qu'ils avaient un petit peu compris. Les gens ici, tous réunis, et ils nous ont suivis depuis 10 jours. Ça fait depuis 40 ans qu'à Alstom, ça n'est jamais arrivé. Faut bien le savoir, à part la truc de 76. Mais depuis 40 ans, il n'y a aucun ancien qui a vu, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui s'est passé depuis 10 jours. Donc maintenant, on arrête les bêtises. Encore une fois, je le répète, c'est la dernière fois qu'on le dit. On est mené à finir le travail qu'on a accepté. Je vous laisse tranquille avec ça. Je vous laisse les salariés avec leur parole. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on lâchera rien. On est là tous ensemble depuis 15 jours. Et on sera là jusqu'au bout. Maintenant, c'est tous ensemble. Et on lâche rien. Allez les gars.